De Moselle qui organisera à Saint-Avold les 2 et 3 juillet 1994 les 25e championnat de France doublette senior et le 29e championnat de France tête-à-tête senior. Monsieur Guérin, président du Comité du Nord, va présenter les joueurs, les délégués, les arbitres aux personnalités. Allez, passons ! Monsieur... Voilà, monsieur Henri Bernard, qui conduit. À la fin. Monsieur Guérin présente donc les joueurs aux personnalités, c'est-à-dire Monsieur Henri Bernard, président de la Fédération, Madame Gallet, maire de la ville de Saint-Saulve, Monsieur Lecoq, directeur régional de la jeunesse et des sports du Nord, Monsieur Claude Azénoir, secrétaire général de la Fédération. Les équipes en doublette sont composées de Monsieur Jean-Marc Fouillot et Michel Schwartz du Comité de l'Hérault, accompagnés de leur délégué Monsieur Joseph Carterat. L'équipe opposée est composé de Zonko Radnik et Pascal Milley du Comité de la Saône-et-Loire, accompagné de leur délégué M. Jean-Yves Demont, de M. Daniel Charolais, président du Comité de Saône-et-Loire,
de M. Robert Maugenais, président de la Ligue de Bourgogne. Les arbitres de ces championnats sont M. Jean Battini, arbitre international, Jacques Bernot, arbitre national, Marc Groevius, arbitre national, Ernest Petignot, arbitre national, Jean-Jacques Dambrune, arbitre national, Christian Venbezien, arbitre national, Régent Lefébure, arbitre départemental, et Nicolas Quincy, arbitre départemental. En ce qui concerne le championnat de France individuel, Monsieur Paul Marais, président de la Ligue de l'Île-de-France. Monsieur Claude Balthazar, délégué du comité de la Seine-Saint-Denis. Michel Lois, du comité de la Seine-Saint-Denis et de la Ligue de l'Île-de-France, qualifié au titre de cette Ligue, opposé à Michel Briand, du comité du Gard, accompagné de Henri Dordorbier, du comité du Gard, et de Robert Verrune. Thank you.
Thank you.
Yes!